C'est ça. Dans la question de justice, et la police a fait des avancées par rapport à des crimes, donc à des spectaculaires qui fait dans la capitale haïtienne, qui c'est Père Joseph Simoli, qui c'est Frédéric Vio, qui c'est jeune médecin, soeur médecin, PDG Mario Vio. Soeur PDG et groupe Signal, Mario Vio, qui est tombé dans la condition de son GE, dans Delma 83, en bas balle bandit. Donc la police présentait plusieurs individus qui t'a responsable, mauvais acteur. Absolument, la police, en milieu de semaine, en conférence de presse, présentait quatre individus que vous dites qui t'a impliqué dans l'assassinat Père Simoli et l'assassinat Frédéric Vio, qui c'est un jeune médecin, nous songez ça, il y a environ un an, qui a été assassiné par balle à Delma 83. J'en souhaite préciser là. Alors, c'est bon, naturellement, c'est crime de sang, donc son dossier que la justice saisit à travers le cabinet d'instruction. Faut que gagne instruction qui menait sous question. Alors maintenant, un frère Père Simoli qui était dans la presse, monsieur expliquait que yo craigne au niveau de la famille Simoli pour que yo pas présenté les simples exécutants. Pour monsieur, le plus important, ce sont les auteurs intellectuels de ce crime. Monsieur rappelait que Père Simoli, c'est pas n'importe qui, son monde qui était gagne activité en Israël, à Jérusalem, partout dans le monde. Que monsieur qu'on a le prêché et l'évangile, activité l'église, donc monsieur dit que il pas ta souhaité au cacher gros palto yo, pour me répéter propre terme frère Père Simoli, que au kembe cacher gros palto yo et puis au livré ti maléré que au te baille 5000 goud, 7000 goud, parfois pas même connait qui est yo tué, parfois ça après yo connaît après ampleur qui gagne suite à crime là yo rend yo compte de qui monde que yo t'ai tué. C'est ça, donc on attend ce jeune médecin qui a été assassiné il y a environ un an, Frédéric Vio, société a certainement appétante que la justice d'Imopal identifie les vrais auteurs et sanctionne comme ça doit et Jean la loi exige.